En Occident, la place de l'écrit est importante. C'est vrai que dans le monde, la place pourtant de l'oral est beaucoup plus importante. La transmission de la culture par l'oral, aussi bien chez les aborigènes d'Australie, par exemple, que chez des peuplades d'Afrique, par exemple, aussi, est importante. On transmet le savoir par l'oral, par la voix humaine. Comment cela se fait-il, entre guillemets? Pourquoi ne pas avoir utilisé notre processus de symbolisation, écrit, pourquoi pas? Pourquoi avoir continué à cultiver cet oral? C'est vrai que quand on commence à apprendre, ou quand on nous souhaite nous initier à l'apprentissage de la culture, par exemple dans une maternelle ou un groupe préparatoire, la parole est importante. Cela a été plus l'affaire souvent des maîtresses, un peu plus récemment par des maîtres, mais c'est vrai que le côté émotionnel et sentimental de la personnalité de la personne qui transmet le savoir est une des phases très importantes de l'apprentissage des choses. La façon dont s'exprime la personne par rapport à l'enfant lui fait aimer la culture, lui fait aimer apprendre. Apprendre à apprendre est une chose bien plus que pédagogique, une leçon de vie. L'oral est une façon de voir le monde et une façon de dire la vie, de transmettre des savoirs avec un vécu en interaction avec le présent. C'est-à-dire que l'enfant, à tout moment, peut poser une question, peut éventuellement exprimer une impression, une sensation, un sentiment, une évocation, et à ce moment-là, la maîtresse ou le maître doit être à même et être formé, ce qui n'est pas toujours le cas, hélas, on peut bien le dire dans notre civilisation occidentale, puisque cela n'existe pas, hélas, d'être formé à l'attente de l'enfant. L'oral a la particularité heureuse d'être dans le monde présent, ce trait d'union qui unit la culture d'un passé au présent, voire éventuellement à un projet d'avenir par la formulation d'une question ou d'un intérêt éventuellement qui intéresse l'enfant. En 2006, à Salon de Provence, à la campagne, voilà, aujourd'hui, la patrouille de France s'est tue, c'est une bonne chose, c'est la fête du travail, donc on chôme. Comme un dimanche, pourquoi pas peut-être, on regarde en arrière un petit peu et on regarde ce qu'on a fait dans la semaine. Mais pour regarder ce qu'on a fait en arrière, il faut savoir s'arrêter. Voilà, donc un compromis entre la psychologie, le social, l'historique et l'économique pour l'ici, s'adapter dans le présent, est une façon de voir aussi le monde, une façon peut-être cataloguée comme philosophique, certes, mais une façon de voir le monde serein, plutôt heureux, plutôt en bien-être. Voilà, je vous remercie de l'écoute, et puis pourquoi pas avoir un peu votre sentiment ou vos avis sur les thèmes abordés lors de ce film. Pourquoi pas vous rencontrer un jour.